Eh bien, salut la VOD et on se retrouve pour la dernière VOD bonus sur le premier DLC d'Assassin's Creed Syndicate, Jack l'Éventreur. Aujourd'hui, nous retrouvons pour évidemment le 100% avec ce petit vendeur qui a complètement. Qu'est-ce qu'il te prend? Ouais, sachez que je devais légèrement lui acheter des cartes au trésor hein, pour le 100%, mais il devient complètement fou le mec. Ok, c'est bon. J'ai cru que il ne savait plus qui il était. Il savait plus qu'il était vendeur, mais. Tout va bien, on va rien dire. Donc là, on a tout qui est à fond, il n'y a pas de problème. Donc on va uniquement dans carte au trésor. Ça coûte au total 10 000. Voilà, on récupérera évidemment plus que le prix des cartes avec tous les coffres. Donc, on a eu la carte au trésor des coffres et des. Comment ils appellent ça? Des illustrations. Donc, il n'y en a pas beaucoup. De base, mais voilà. Le problème qu'on a. Ok, alors déjà, sachez une petite information, c'est que la carte trésor nous a aussi montré les coffres jaunes. Ça, c'est très bien à savoir, même pour quand on fera le 100% du jeu de base. Voilà. Donc ça, petite information. Mais ouais. Donc on a tout, sauf les bugs Helix. Les bugs Helix, on ne peut pas tous les voir. Par exemple, là-haut, il m'en manque 7. Est-ce que j'en ai déjà découvert 7 dans ce quartier? 1 ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, je les ai tous! Oh! Ça, c'est de la chance. Donc, ici, on n'aura pas à chercher. Mais bon, c'était le quartier le plus petit, donc c'est pas vraiment là où ça m'arrangeait. Ici, on est censé en avoir 16. Il y en a un là, 2, 3, 4, 5, 6. Celui-là, je sais pas si je l'ai compté au cas où, j'ai pas le compté. Donc, 6, 7. 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et j'espère d'énormes cœurs que c'est celui que j'ai pas compté. Sinon, ça peut être très compliqué, mais de toute façon, on va marcher hein. De l'un à l'autre, il n'y a pas mis de distance, donc on va évidemment à peu près jamais se téléporter, je pense, et on va mettre des coups de vision à tire-larigot. Hein. Voilà. Hein. Voilà comment ça va partir. Donc on a ça à faire, tous les collectibles évidemment, hein, c'est un peu le but du vraiment du VOD 100% après avoir fait chaque thème du jeu. Si vous voulez bien regarder évidemment tout ce qui reste, bah là on a tout 100%, donc il reste que le divers. Vous l'avez vu parce que j'ai ouvert le menu tout à l'heure. Il reste les deux atouts ici, très rapide, hein, 15 meurtres de cachette avec le pic, les prostituées, et voilà, et acheter tout ce qui est achetable et ça va prendre 2 heures. C'est parti. Donc déjà, si on peut s'avancer sur les prostituées, sur le chemin, et pas que d'ailleurs, hein, surtout même. Voilà. Salut Jukino, comment vas-tu? Voilà, regardez ça. Ah, c'est une femme, c'est pas possible. Ah, super. Et voilà. On peut pas utiliser les prostituées sur les femmes. Vraiment bizarre, ça, je comprends pas. Mais je peux la siffler? Oh, excellent, attendez. Je suis en train de faire une folie. Ah, elle va me gêner la prostituée là. De toute façon, je suis pas dans une zone, donc si ça marche. Ok, c'est bon. Ça a marché! Bam! Super! Bah oui. Ça a bien se passer si on commence comme ça. Là, il y a un premier policier. Quoi? Il m'attaque! Putain! Mais dans ces cas-là, j'aurais voulu. Oh, quoi? Ah non, c'est pas un policier. Mais j'ai jamais voulu faire ça! Mais quoi? Mais. Ah la voix se chie dessus. Ah je suis désolé mais j'ai jamais voulu faire ça moi. C'est des malades. Je voulais grimper en haut mais bon. C'est pas grave. J'ai des bugs. Ah super. Super super. C'est chiant hein, les mauvaises connexions quand même. En 2023 c'est clairement pas normal hein, d'avoir des problèmes de connexion comme ça. Faut se le dire. Hein. Mettons-nous tous d'accord là-dessus. Tac. Et voilà. Donc ce qui est bien, c'est que ce DLC est quand même assez petit. Ça n'utilise pas 1000 quartiers. Donc ça, c'est bien. Ça devrait pas prendre 56 ans. Touk. On a découvert que les bugs Helix, en vrai, normalement, je les ai potentiellement tous découverts. Si ce n'est pas le cas, il en reste juste un. Et puis au pire, si je dois vraiment fouiller
Soit avec la vision, je pense que ça va aller très vite. De toute façon, dans ce quartier, ça sert à rien de spammer parce qu'on sait qu'on a tout. Soit, bon, si vraiment je dois regarder une carte sur internet, bon, au pire, il y a 16 emplacements à vérifier. Il y a de fortes chances, on l'espère, que si on les vérifie dans l'ordre, bah, ce soit pas comme par hasard dans les derniers, voire le dernier. Je pense que non, donc c'est facile. Ça va et toi? Bah, pour l'instant, ça va. Je dirais que ça va mieux. Est-ce que normalement, je sens que mon poumon est encore un peu rempli de bactéries là. Mais sinon, ça va. Sinon, c'est bon. Ça, c'est quoi? Ah oui, c'est la prostituée, ça, non? Elle est complètement buggée. Elle a pris peur, elle est buggée. Voilà ce que ça fait d'être prostituée à notre époque. Complètement ravagée. Incapable. Voilà. Je vais m'avancer hein, sur le défi encore. Tant qu'on passe devant des gens, faut en profiter. Si je peux ne pas relancer de quête juste exprès pour avoir des ennemis ou des prostituées. C'est vrai que ça m'arrange. Oh, ça a pas marché! Putain, les boules! Ok, bon, déjà, ça m'a au moins redonné une pointe. C'est le principal, hein, que ça en dépense pas. Que ce soit pas dans le négatif. D'ailleurs, j'aurais pu largement attendre pour la deuxième. Là, vu qu'elle est effrayée, je sais pas. Effrayée, je suis pas sûr qu'elle vienne vers moi. Ah, si! Ah, si, si, si. Ah, ouais, bon, pas trop effrayée quand même. On dirait un peu dans les films d'horreur, quoi, vous savez. Oh non, j'ai peur, mais je vais y aller. Je vais voir ce qui se passe. Trop bête, trop bête. Oh là là, il y a un fantôme. Et si j'allais là où j'ai cru l'apercevoir? Logique, me direz-vous. Mais qu'est-ce qu'il fait? Evie, la drogue, c'est vrai qu'elle connaît. C'est un peu sa passion. Avant les assassinats, la drogue, hein. Super. Donc lui, il est là. Je saute ici. On a vu que les affiches, ça donne énormément d'XP quand même. Bon, là, un bug 25 XP. Les affiches, 200. Totalement 200. Alors, si c'est pareil dans le jeu de base, c'est que ça aurait été bien de le récupérer direct. On a vu un petit chat sur le toit. C'est super. J'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud. Le problème, c'est comme j'ai dû absolument répondre à des messages. Ça a duré 3 heures. Du coup, j'ai légèrement lancé le live par rapport à ces messages. On pourrait presque dire hein, 30 minutes. Quasiment, hein, vraiment. 25, 26 minutes. Trop tôt. Hein? Ben, il y a 20-30 minutes de chaleur de live qui se sont accumulées sans que j'avance sur le contenu. Du coup, là, je suis au tout début du contenu. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai méga chaud. Oh là 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 là! J'ai méga chaud! Bon, du moment, j'ai pas un nez complètement clos, je trouve que c'est quand même pas mal. Finalement, la chaleur, qu'est-ce que c'est? C'est rien, hein. Ah, eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Je savais que je pouvais pas lancer la VOD. Tant qu'on m'envoyait des messages. Puisque je savais qu'il fallait que je réponde. Et que... J'avais pas envie de faire des cuts. Là, vraiment, j'avais pas que ça à faire. Donc j'étais obligé d'attendre 25 minutes. Grosse accumulation de chaleur. Terrible. Terrible, terrible. Tac. Oh, y a pas de prostituée ici, là. Qu'est-ce qui se passe? Au revoir. Ah, bah au revoir. Hein. C'était très inintéressant. Au revoir, gros bisous. Illustration 200 XP encore. Dommage qu'une fois qu'on est niveau max, on puisse pas remplir des faux niveaux. Qui nous donne d'autres récompenses, comme de l'argent, hein, par exemple. La base. Hein. Bim! Ouh! Là, y a personne d'autre. Bon, j'ai plus qu'une pointe. Hein. Plus qu'une, plus qu'une.
Tac. Et une suite, une suite, une suite, une suite. J'ai presque envie de me finalement de me téléporter ici. Je pensais que j'aurais jamais eu besoin. Mais ça a l'air d'être mieux. Voilà, procéduralité. J'ai reçu un message encore d'ailleurs. J'avais pas. Pas vu ça. Ah, ok, non, c'est bon, c'est bon. Tout à fait le genre de réponse que j'envisageais. Ce qui a donc fait que je pouvais bel et bien enfin me lancer. Touk-touk-touk. Allô? Ok, c'est bon. Putain, je pouvais pas sortir. Vous savez, en même temps, j'ai reçu un peu de foin dans les fesses. Je peux vous dire qu'il y a une grosse botte de foin qui te rentre dedans. Ça paralyse, hein. Ça paralyse. On sait pas trop si c'est de plaisir ou si c'est juste que. Voilà. Ça fait un peu mal, mais. Oh bah super! Même pas besoin de descendre. Touk! Oh c'est sûr, hein. Je vais devoir relancer des missions pour faire les défis, mais ce qui est bien c'est que je serai pas obligé de les terminer, je pense que je pourrais quitter direct. Je lance, je fais mon truc, je perds. Terminé. Ok. 100%. Ça commence, ça y est! Le 100%! Première étape accomplie. Tic-tac, on est bientôt encore sur le 100% là-dessus, il reste que celui-ci, ce qui me prouve bel et bien que j'ai bien compté et que je les ai tous. Oh là là, une prostituée. Oh, j'aime ça. Ouais, moi j'aime bien tomber sur la prostituée. Et normal. C'est l'appréciation avant tout. Ok, le deuxième, il est où? Il a disparu? Non, mais attendez, en fait, il a despawn, mais comme lui avait été sélectionné, ouais, ça l'a juste pas fait despawn. Il faut trouver un autre ennemi. Ah bah tiens. Ça les a fait respawn ici. Voilà. Allez, occupe-toi d'eux. Je vais les attendre un peu, sinon j'ai peur que ça compte pas, mais. Ça avance bien, hein. On va vite y être. Allez, mais qu'est-ce qu'il. Non, mais sans déconner. Ok, elle y arrive, elle y arrive. Eh, faut courir là. Voilà, c'est bien. J'ai peur que si ça sort de la minimap, ça compte plus. C'est bon. Plus que 4, ça se fera naturellement. Je suis sûr, j'aurais pas besoin de faire des choses spéciales, exprès, pour avoir tout ça. Pas de but à avoir, c'est très bien. Bon, il y a 3 coffres rouges, jaunes hein, restants au total. 2, très certainement des couleurs. Et un équipement qui nous manque. Donc voilà, une couleur. Ça, c'était sûr. Touk. Coffre verrouillé. Un 100% supplémentaire. Donc on est à 2. Bientôt 3 avec les crédits. Et très peu de coffres blancs restants. Plus 100% totalitaire, évidemment. Le 100% totalitaire. On commence à partir sur un live géopolitique. C'est bon. Tout l'intérêt. De ce 100%, c'est un peu. Bon, d'aller chercher des collectifs, donc il y a un peu de géographie, on va dire, en quelque sorte. Avec la map, et là, ça part à tout totalitaire. Hein. C'est quoi la prochaine étape, quoi? Le nazisme, peut-être?
totalitaire. Oh là 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 là, m'en parlez pas. Bim. Yes, il m'en a redonné un. Yes, yes, yes. Bon là on a de la chance, il y a deux trucs côte à côté. Je parle déjà, des fois pas très français, mais ça, ça me le fait qu'en live. En fait, le problème c'est que je m'entends pas parler. C'est très bizarre. Très bizarre, c'est pas le même procédé que quand on parle dans la vie, quoi. J'ai pas ces problèmes du tout dans l'oreille, hein. Je parle très très bien. Donc, c'est vieillir. Touk. Il reste plus que ça, et le dernier en bas. Et c'est tout. Ce serait tellement exceptionnel que l'argent qu'on a gagné dans ce DLC et les ressources soient transférées dans la sauvegarde de base. Parce que je pense que c'est du mensonge, mais j'ai l'impression que le DLC prend notre sauvegarde pour commencer le DLC avec nos compétences débloquées. Le problème, c'est que je suis pas sûr en fait. Ça doit être des trucs pré-équipés par les développeurs. Je sais pas. J'ai l'impression que ça reprend la sauvegarde. J'aimerais bien que ça marche aussi dans le sens inverse. À la limite, peut-être même, ce qui serait exceptionnel, ça ce serait une récompense, mais vraiment de fou, c'est que le DLC n'apporte rien à la sauvegarde principale. Hormis si tu fais le 100%, si tu fais le 100% de tout, le vrai 100% de ce DLC, bah, ça te transfère tout sur ta vraie sauvegarde, au prochain lancement de la sauvegarde. Mais j'ai vu avec un petit message, en vrai voilà, vous avez récupéré vos gains d'une autre époque. Voilà, ce serait vraiment une belle récompense du 100%. Surtout que c'est très cool parce que les 100% habituellement, bah, c'est dans le jeu de base. Le 100% du jeu de base, ça peut pas trop donner quelque chose d'autre part. Ça n'a pas trop de... Déjà, c'est pas trop possible, même ça a moins d'intérêt. Voire même ça n'existe pas. Il n'y a juste pas d'autre contenu. Donc là, c'est une bonne occasion quand même, je trouve, de le faire. Bon, après, ouais, je sais pas. Non, l'idée, c'est sûr que le jeu de base, tu finis à 100% potentiellement d'abord... En tant que moi, streamer, tout ça, bon, non. Je fais toute l'histoire d'abord, voilà. Et c'est vrai que... C'est vrai qu'en tant que joueur de base, j'aurais fait vraiment le 100% du jeu normal avant de faire ça. Donc, effectivement, ça a moins de sens. Après, c'est toujours un petit plus. Moi, j'ai vraiment envie de dire que c'est vraiment, vraiment un plus. Vraiment. J'insiste, hein. C'est cadeau, ça coûte rien, c'est trop cool. Enfin, un intérêt au 100%, parce que ça n'existe pas. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais d'intérêt au 100%, hein, concrètement. Je suis sûr qu'il y a un jeu où il y a forcément quelque chose, hein. Ça doit forcément exister, quoi. Les développeurs qui ont un peu l'amour du jeu vidéo, quoi. Je n'ose pas croire que ça n'existe vraiment plus. Mais ouais. C'est toujours ça, puis même à la limite, que ça te le donne sur tes sauvegardes de jeu, quoi. Même... Même si tu relances une nouvelle partie, voilà, ça donne direct. Quoi. Si tu restais 100 000 dans le DLC, bah voilà, ça te donne 100 000 dès le début. Je sais pas. J'sais pas. Après, ça t'oblige pas en plus de les dépenser non plus, forcément, directement de toutes les façons. Puis les développeurs, s'ils font bien les choses, ils peuvent faire quand tu relances une partie qui est encore plus d'obligations pour acquérir des compétences et tout. Du coup, l'argent en vrai ne servira à rien. Alors, t'aurais quand même pas la limite d'argent dès que tu débloques les trucs. Mais. Tu ferais pas ce que tu veux non plus, quoi. Hop, 10! Super! Et ça m'en a redonné un. Parfait, parfait. Bim! Allez, on entame le deuxième quartier. Studio, il est 100% fait. Les points d'intérêt, on n'a pas découvert. Et de toute façon, ça change rien. Ça fait rien, mais c'est vrai qu'on sait pas ce que c'est. Hein. Je pense qu'il y a moyen que ce soit la gare, mais... Et ici, il y en a 10, donc c'est moins facile à savoir. Mais je pense que c'est la gare. Si vous y tenez vraiment, on pourrait essayer d'y aller pour voir. Hein. Je pense que j'ai jamais été en plein milieu. À part tout à l'heure, peut-être. Je sais plus trop. Je sais plus trop. Prostituée, prostituée! I love it! Hop.
là. Et ensuite, on va aller ici. En voiture, ce serait bien, mais j'ai l'impression que... Ça va souvent nous faire descendre, ça va disparaître, ça va je sais pas trop quoi. Je sais pas, ça me plaît pas. Nous avons une mission à vous dire. Ça ne me plaît pas. Allez, dépêche-toi. Oh, il va vraiment la semer. Mais regardez-moi ces handicapés. À force de s'ouvrir le vagin à 18 cm de large, allez. Ça peut plus bouger. Complètement. Complètement bloqué. C'est dingue, quoi. Voilà, on en est en 2023, quoi. Je peux pas me cacher derrière ce mur, c'est un peu dommage. Pour la peine, on skip, hein. Pas le choix, de toute façon. J'aurais aimé que ce soit un choix, hein, avoir le droit de vouloir passer à cet ennemi ou pas. On m'y oblige. Mais bon, je me fais croire à moi-même que c'était voulu, hein, pour éviter de souffrir, bien sûr. Ok, tac tac tac. Je pensais que ça va me donner le coup de la prostituée, j'ai pas l'impression. Elle est blanche, elle est plus occupée, donc je pense que c'est mort. Faut le faire sur lui, mais ça va encore. Ça va pas être bon, ça. Voilà, elle est déjà plus occupée, je crois. She seems occupied. She hiding from the coppers. Mais ça a pas marché, mais bordel! Et ça m'en a pardonné, hein. Bah oui, évidemment, hein. Bah ouais. Bon, je sais ce qu'il va falloir faire, y a pas de problème. On va tout prix en récupérer un. Donc pour ça, on va faire du petit double kill. En plus, je crois que ça donne, hein, quand je fais ça. Ah, ils ont bien pris cette récompense. Donc ça m'a donné un, c'est ce que je voulais. Pas un autre par contre. Viens voir avec lui. Oh là, elle arrive en voiture, la prostituée. Mais non. Mais non, elle a fait ça. C'est une machine. C'est une machine. Regardez-moi ça. La bosse! Ah, c'est irréaliste. Irréaliste. Qu'est-ce qu'elle va faire contre rien? Ouais, elle fait rien. Allez. What the fuck, dude? What the fuck? Et je vais me la trimballer pendant 36 ans. Hein. Tiens, donnez-moi mes trucs là. J'ai besoin de pointe. Ce que j'aime par contre dans DLC, c'est peut-être qu'il n'y ait plus les lames d'assassin. Ça fait un bruit qui est pas... Je trouve pas beau, j'aime pas. Hop, ça fait 3. Il va se calmer, sinon ça va vite m'énerver. Ça fait 4, c'est super. Ouais, c'est rendu corps à corps, mais dans plein de jeux, le corps à corps, c'est trop stylé, quoi. T'as l'impression de mettre des patates, quoi. Mec, tu lui brises la nuque en un coup. Que là, c'est pas très plaisant. Tu sens que t'es fragile et tout. Ah, c'est pas le problème d'être fragile, hein, qui est embêtant, hein, parce que c'est plutôt même réaliste. Du coup, mais ouais. Je ne sais pas. C'est pas super, l'eau. Comment je peux... Si on se fout de ma gueule un petit peu. Ah, ça marche, non? Quoi? Oh! Le respect, mon garçon! Voilà. Pire, je me laisse tomber dessus, hein. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Suivant, il y en a deux côte à côte. Ça, c'est super. C'est mes trucs préférés.
Mais non, cette VOD sera longue. Hein. On dirait pas comme ça, mais... Il y a des choses à faire. Hein. En vrai, on en a fait moins de la moitié pour l'instant, normalement. Donc ouais. Hein. Y'a que des pauvres ici, j'aime pas ce quartier. Hop. Ils sont tellement pauvres que dans leur coffre-fort, ils ont des plantes. Hein. Ils sont crus où, là? Voilà. Les coffres, ils me redonneront pas ce que j'ai perdu en dépensant les plans, en fait. J'ai dépensé 10 000, et c'est vrai que si parfois ça donne 200, ça va pas remonter, non. Non, non. Je ne crois pas, effectivement. Oh! Mais pourquoi je me suis fait aller tout là-bas? Si sur le chemin... Ah ouais, d'accord. Ok, bon, autant le faire. Même si ça aurait dû être fait après, bon. Mini perte de temps malgré tout, mais. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça vous embête, vous? Oui? Bon, excusez-moi, hein. Oui, parfait, c'est exactement ce que je voulais. J'espérais que ça aurait réagi comme ça, et ça l'a fait. Ah, le coffre tout en bas, j'aurais pas pensé, c'est tant mieux. Oh, ça va pas compter. Ouais, ça a pas compté, c'est une voyée, j'imagine. Je me demandais. Je me demandais. Pff, c'est trop chiant. Ouais, comment il a deviné que c'était moi, là? 11. Ouh. Il y en a un autre. Super, super. Viens là, mon petit gars. Oh, il se chie dessus. Ah, oh, il repassera plus jamais ici, du coup. Oh, il se chie dessus. Et ça va effrayer les autres, là. J'ai la compétence là, ça les effraie plus. En venant devant, elle va pas avoir peur. Ah bah c'est ça, quand il s'approche énormément, il se chie beaucoup dessus. Pitié et peur en venant par moi. Dans ma direction là. Ok, il arrête de crier. L'autre, elle va pouvoir venir sans que ça lui fasse peur, non? C'est insupportable. Oh non! Un jour, ça va fonctionner, regardez. C'est bon, c'est la bonne. C'est la bonne. Oh, c'est une... Ah non, j'ai cru que c'était une bougie, la poignée de la pointe. Non, elle se chie dessus. Non, mais c'est bon, c'est insupportable. Insupportable, les gens fragiles comme ça en 2023. Ah, excusez-moi, justement. Pardon, je viens de me tromper, c'est justement le concept de cette année, excusez-moi. J'avais oublié. Ça n'a pas de sens, mais les gens cherchent à être de plus en plus fragiles. Excusez-moi, je sais pas où j'ai la tête, bordel. C'est tellement logique. Ah, c'est dingue d'oublier ce genre de choses. Pif. Paf, pouf, pouf, pouf. Donc ici, tout est récupéré. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il n'y ait rien là-haut. S'il m'en manque vraiment un... Bug Helix, il doit être par là. Je pense, hein. Je pense que je suis sûr. À mon avis. Bon, la prostituée, là, un jour, elle va servir ou... Indistrait, là, elle va descendre, là. Bah, wow, elle est complètement buggée. Ouais, tu dégages, tu dégages. Bah, wow, les gens incompétents comme ça, j'aime pas. Ah, j'aime pas. Ça se fait pas ici, ça. Ce genre d'hérésie, là. Bam! Ouh! Il me donne pas de pointe, hein. Et il faudrait vite le piéger. Si je me mets là, c'est bon? Non. Il y a plein d'endroits, je peux pas me cacher. Là, je peux, mais ça va vraiment marcher, vous pensez? Je sais pas, hein. Ouais, ça va pas marcher, c'est ça. Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais. En fait, j'ai été compté comme vu. C'était pas une bonne hitbox, donc ça me protégeait pas. Je n'étais pas caché, quoi.
Ça, c'était sûr. Dommage. Ah oui, c'est vrai que je vais prendre un véhicule à la base. Tout ça à cause de la prostituée, j'ai oublié. Elle m'a eu, elle m'a eu. Son effet a fonctionné. Oh là là. Oh, le mec est... Non, il est pas mort. Oh, il est mort. Oh, wow. Oh. Ah oui, il est pas mort. Hein. C'est quoi ce bug? Non, magnifique. Il en est presque terrifiant, même. Complètement irréaliste. Ah, j'ai adoré. Tac. Comment je peux l'avoir celui-là? Comment sauter, ça marche pas. Sauter ne marche pas. Moi, ce que je pense, c'est à partir de ça. Voilà, tout à fait. C'est ce que je me doutais. Je sais pas si c'était normal vraiment totalement de le faire comme ça, mais c'est vraiment ce que je pense. Touk touk touk, ne pas aller en haut sinon on va être bloqué, c'est pas, ce serait pas une bonne idée. Voilà. Ah ouais, tu vas attendre. C'est vrai ça? Ah, viens là. Moi aussi j'attends. Chacun notre tour, hein, j'ai envie de te dire. Ouh. Bim. Allez, il en reste plus tant que ça. Ça c'est super. Non, il va vouloir me défoncer là. Curiosity, totalement. Maxi, curious. Oh là, le bug. Vite, dépêche-toi. Oh, c'est bon. Non, te dépêche plus, y'a plus besoin. Bim. Ouh. Ah ouais, je voulais pas vivre ce bug de caméra trop longtemps. Moi je m'en fous, mais bon, pour le live. Moyen quand même. Hein. Touk! Suivez, c'est vrai que c'est un grand quartier. Oh là là, quand je vois tout ça, même en ayant connaissance de tous les emplacements, c'est vrai que ça m'inquiète pour le jeu principal, quoi. Je me dis. Ça va être long quand même, non? Il y a toujours des prostituées à côté des gars. Elles aiment les gars, apparemment. En même temps, pour attraper des petits nouveaux, des petits touristes, là. Puis bon, les touristes, c'est forcément des gens qui prendront pas autant la confiance que les autres. C'est vrai. D'accord, je peux me cacher là. Ah ouais, mais j'ai plus de... Bah écoute, hey, je vais me servir de toi pour récupérer, petit con, voilà. Ça, c'est où? C'est à l'intérieur, bien sûr. Ça peut être en haut. Hein. Non, c'est à l'intérieur. Ah, les bruits. Ok. C'est parti! Oh non. Oh, ils me refont leur coup pourri là. Pitié que ça saute. Même ça a pas sauté comme je le voulais. Ah bah parfait. Avec ça. Hop. Même ça marche pas. Ok, j'ai une autre idée. Comme ça. Ah bah tiens, ça a même marché. C'est vrai qu'en termes de hitbox sur le haut, ils sont généreux, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour une fois Ubisoft, je suis désolé de le dire, hein. Je suis vraiment navré, ça me fait mal, hein. Mais bien joué. Merci, merci et bien joué. Bon, en vrai, c'était pas obligatoire parce qu'à chaque fois, en fait, à partir du moment où t'es en haut, de toute façon,
T'as juste à te lâcher. Donc finalement, le fait que la hitbox soit grande en haut, c'est juste du confort, ça nous permet de même pas avoir besoin de changer de trajectoire, donc tu peux même carrément partir sans te décrocher du truc. Donc c'est même peut-être trop cool. Il n'y a pas de petits points négatifs à aller chercher. C'est terrible. Oh, c'est bien, il vient vers elle, ça va aller très vite. Et je vais, tiens, je vais même le tuer après qu'elle l'ait capturé, comme ça j'ai peut-être... Voilà, une petite pointe. Petite pointe là. Hop, elle est trop heureuse, elle a un mec. Eh ben non, dégage. En plus, il a rien donné. Oh, je peux la capturer peut-être. Non, je peux pas. Non, non, je crois qu'elle m'aime plus, ça y est. Elle a perdu son meilleur client. Ouh. J'en ai même pas eu. Après, je crois que les policiers, ils en ont potentiellement pas. J'ai pas fait attention tout à l'heure. Si ça avait dû m'en donner. Hein. Ah, je crois que c'est que les Blighters. Les Blighters. Ils en ont plein. Mais les policiers, ils ont pas l'air. Ce qui est logique, quand même. Ils se serviraient pas de ça. Ce serait un peu bizarre, quand même. Ouais, elle a montré son gros pare-choc, là. Attention, hein. Ça, c'est un bordel, je crois. Je crois qu'on est au bordel. Enfin, comme pareil, un mec qui spawn une fois qu'on part. Comme d'habitude. On va prendre deux véhicules, sinon je vais peut-être les perdre. Ça fait un. Il arrive en plus de phase, donc ça c'est le meilleur truc qui peut arriver. J'aime le tuer après. Je vais peut-être même faire, attendez, le défi carrément, non? Vous pensez que je peux le siffler après qu'elle l'ait capturé? On va tester, c'est une expérience. Ah, ça marche, hein. Ah, ça m'étonne pas, hein. Voilà, double défi sur un seul mec. Magnifique. Même si je gagne pas de points, mais bon, j'en ai, donc autant en profiter. Ça fait... Cache-toi, sinon ça va pas marcher! Ça a marché. Ok, j'y avais pas cru. J'y avais pas cru. L'autre fuit clairement. Donc elle est plus utile. Je suis trop content d'avancer sur les défis si bien. Finalement, ils sont même plus faciles que dans le jeu de base, hein, j'ai l'impression. Bon, c'est de la chance du coup, hein. Mais c'est vrai que dans le jeu de base. Oh, j'ai même pas hâte d'y être, quoi. J'ai pas hâte du tout. Bon, là, lui, elle va. Péter les fesses. On va même attendre et qu'on va le tuer aussi. Oh oh, non, je suis pas suspect, non, bah non. Sûr que non. Allez, dépêche-toi! Aïe aïe aïe, la lenteur. La maxi lenteur. Dépêche-toi, sinon je peux pas faire lui là. Oh là là là. C'est dramatique. Hein. Allez, elle va la voir. En attendant, le temps qu'ils reviennent, j'espère qu'ils vont pas chier dessus assez vite. Oh, je le sens pas. Hein. Je sais pas ce qu'elle a dit, mais je crois qu'elle a dit une folie. Oh, ça a pas marché. What? Oh, fuck. Meurs. Ouh. Bon, j'ai l'impression que les Blighters, ils en ont à chaque fois. Mais les policiers, je pense que c'est bel et bien eux qu'on en parle, à mon avis. Allez, plus qu'une prostituée. Oh, mon petit gars, viens par là. Un bourgui de rondure. Je crois que ça m'amuse de voir des gens comme toi par ici. C'est mon quartier. Hey, toi aussi, dégage. Tiens. Oh, explosion. Oh, dégage, c'est ma route, là. Toi aussi. Ah, ah. Oh, il est mort. Non. Non, non, c'est bon. Hop, on a fait écraser une enfant. Ça sent le plaisir. C'est un peu mon passage préféré de la journée. Horrible.
Horrible. C'est vrai que comment on appelle ça? Les ingrédients, on va appeler ça. Ouais, les ingrédients. J'ai essayé d'ouvrir le menu pour avoir un nom, mais il n'y avait rien. Les ingrédients, on en a beaucoup. Hein. On n'en a pas besoin dans ce DLC. C'est vrai qu'on... Ils nous en mettent quand même partout, quoi. Hop là, on reconnaît bien du coup que c'est un copier-coller de map. C'est bon. Pareil que tout à l'heure. Tout est copier-coller de toute façon. Bam! Ouh! Où ça? Non? Aïe, aïe, aïe. Ils n'ont pas forcément tout le temps, je crois. C'est ça, viens par là. Ah, il va se chier dessus. Allez, sois sérieux, t'es un mec avec une canne, t'es un boss, ne te chie pas dessus, quoi. Vite, vite, vite! Je pense que c'est peut-être le temps qui leur fait peur. Hein. Ou alors c'est vraiment parce que c'est un ennemi spécial, du coup, lui, avec la proximité, il a pas trop pris peur. Ah, je mise plutôt là-dessus, mais... Il peut peut-être y avoir aussi une question de temps. Hein. Peut-être que pour eux, comparé aux autres, peut-être que les deux sont vrais, et peut-être que c'est que pour eux qu'il y a du temps, que les autres, c'est direct en étant à proximité. Ça doit être ça, hein. Non. Toi aussi là, oh, regarde-moi ça. Hop hop hop, bien bien, regarde-moi. Oh. Hop. C'est dommage. Il y en a un autre, j'avais bien vu, mais je vais pas faire un détour pour ça. Putain, encore presque 20 coffres, c'est vrai que c'est pas tant que ça. Hein. Là, ce bug Helix, il est hors quartier, mais bon, on va rien dire. Surtout ne rien dire, c'est important. No reactions. Sympa les petits bruits de bateau. Voilà, c'est là que je voulais aller à la base, mais ils m'y ont pas mis quand j'étais sur l'autre toit, malheureusement. Donc hop, enfin. On va ici, j'espère avoir l'équipement. Hein. De toute façon, je l'ai dans tous les cas, mais je sais pas, j'ai envie de l'avoir en premier. Après, c'est sûr que ça fait finir par une meilleure récompense si on l'a après, mais bon. Ouais, mais allez, on peut faire un effort, quoi. Très efficace comme grappin, il arrive même à se mettre sur des murs, pas du tout sur des rebords. Je sais pas où c'est planté, mais très très fort. Bien joué. Oh, ça c'est pas une couleur, ça, ouais, voilà. Pomme d'or. Attendez, mais je pensais pas avoir ça, c'est bizarre. Je suis au sol, la question raconte. Ah si, c'était ça qui manquait. Ah, je confonds un plan, non? Un plan, c'est ça que je confonds. C'est bizarre, quand même. C'est très bizarre. Oh, l'argent. Oh là là, ça y est. Plus que 1000, et je crois que je suis à l'argent que j'avais avant d'acheter les plans. Donc ça donne bel et bien plus. Oh non. Re la VOD. Pour la peine, vu qu'il y a eu un crash, bah... on reprend direct devant au lieu d'avoir à faire le chemin, parce qu'il y a un moment donné, on se fout de ma gueule. Eh ben moi je. Voilà. Je reprends le vol qu'on m'a fait. Hein. Bon en vrai. On m'a fait bien plus de mal que ce que j'ai repris, mais. On va rien dire. Allez hop. C'est parti. Pas d'ennemis ici. Si. Ouais, je peux rien leur faire. Par lui prendre une pointe à la limite. Même pas. Même pas. En tout cas. La VOD notait que le jeu a crash, effectivement, comme je viens de vous le dire. Et en relançant le jeu, bah le jeu il a changé. Voilà, je vous le dis. Il a changé, donc tu m'étonnes. En fait, je pense qu'à chaque fois le jeu crash, quand le jeu n'est plus ce qu'il devrait être, en fait. C'est-à-dire qu'il bug, et du coup il y a des trucs qui disparaissent. Et à cause des trucs qui disparaissent, bah ça fait crash le jeu à un moment donné. Je pense avoir vraiment compris pourquoi ça bug.
Si c'est si ça bug, j'espère quand même que ce n'est pas fait exprès à ce point-là non plus, et que donc bah ils ont l'incompétence de pouvoir résoudre ce problème. Hein. C'est ce que j'espère. Évidemment, c'est pas ça. Évidemment, c'est juste des petits cons. Mais imaginons que c'est ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris. Mais moi, j'ai compris. Il y a des trucs dans le jeu qui disparaissent. Ce n'est plus le même jeu. C'est pour ça que ça crache. À un moment donné, il comprend plus rien. Ça fait tout bugger. Donc voilà. Donc s'il faut, ouais, c'est ça, à force de jouer, en fait, le jeu, il se décharge. Ça n'a aucun sens. Et qu'ils ont codé que ça décharge. Hop, il a pas vu son ami se faire tuer. Oh là là, merci mesdames. À tout débloquer, bim. Voilà, enfin une pointe, ça fait 300 ans qu'on n'avait pas donné... Qu'est-ce que ça m'a rapporté? Le nombre max de prostituées qu'Evie peut engager à la fois augmente d'un. Oh! Waouh! Je peux la combien? 4 du coup? C'est dommage, les mecs sont même pas fait chier à recoder. C'est dingue. On pourra jamais en avoir 5. Mais sur la Terre, ça va quand même jusqu'à 5. L'intérêt? On m'explique. Ils auraient pu quand même coder un nouvel ATH exprès pour les prostituées, quoi. Même pas. Ils ont même pas fait cet effort. Alors en soi, il n'y avait même pas besoin de coder, parce que s'ils sont forts, ils peuvent le mettre de façon non dynamique. Donc juste une image. Évidemment, c'est pas ce qu'ils ont fait, puisque celui de base est dynamique. Donc vu qu'ils ont copié, sinon, s'ils auraient fait différemment, il n'y aurait pas le 5 pour rien. Et bien, ouais, bon. Bon, voilà, faut de l'incompétence jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout! Oh, je sais même plus ce que je voulais dire tellement que ça me dévaste, mais... Ouais, ça utilise des performances pour rien. Mais là, là. Ça utilise quoi? 0,01%, on s'en fout. Vous savez, moi, dans la vie, j'ai passé plus de temps avec un PC pire que ce qu'on appelle potato dans l'univers informatique, d'accord? Pire que la patate. Donc, à un moment donné, je veux dire qu'en termes d'optimisation de PC et d'optimisation que tu peux demander et espérer de la part de professionnels, t'en veux, quoi. T'en veux toujours plus. Donc, c'est le genre de petit truc. Je peux vous dire que si ça peut faire gagner 3 FPS, moi, ça me fait plaisir. Allô ? Mais... Touk touk touk. Oh là là, ça va distraire un max. J'ai même pas pu. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Et un soupli. Je suis obligé de siffler, hein, mais du coup, elle va réussir à en avoir un. Elle veut pas le perturber, du coup, si. Allez, viens là. Bim! 19, allez. On est bientôt au max. Allez, cache-toi. Et distrait-le-lui, il va peut-être pas se chier dessus tout de suite. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Si elle arrive à l'avoir, c'est super. Allez, c'est le dernier! 100% là! Qu'est-ce qu'il fout? Oh, ouais! Ouh! Ah bah d'ailleurs, je l'ai... Mais non, mais c'est vrai que je suis au max au niveau des prostituées, je viens de le finir. Enfin, le toc de... devoir faire ça. Pointe d'ombre, les hurlements d'un ennemi empalé sont étouffés pendant quelques secondes. Qui te permet de fuir vite fait. Voire même de pas effrayer les gens, du coup tu peux un peu trafiquer ton truc. Incroyable. En plus je suis déjà remonté à 4, donc j'avais même pas besoin de refermer les kills exprès pour remonter. Pour avoir le beau 100% tout propre. Puisque c'est déjà le cas. Oh là là. Bon bah les défis c'était super cool dans ce DLC. Il était déjà trop occupé avec les prostituées. C'est vrai, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon. Saturo aussi, visiblement, hein. Il est déjà parti. Non, il est peut-être pas parti, c'est peut-être un bug. Il y a souvent des bugs, hein. Le chiffre, il est à chier. Souvent, ça m'est déjà arrivé, même à l'époque où j'étais famous. Ça te marquait que t'avais, je sais pas, ta dépense, c'était un peu aléatoire. Ça peut le faire avec n'importe quel chiffre, mais je sais que ça me l'a déjà fait avec 3... Le vrai chiffre affiché, c'était 3, même...
même 7 et tout, alors qu'en fait t'as au moins 16 personnes, tu sais. Bon là c'est des, du coup je donne les plus petits chiffres où vraiment ça n'allait pas. C'est évidemment quand j'avais dans les 30 personnes et quelques, ça buguait aussi, mais ça ne descendait pas à 3 non plus. Et c'est vrai que c'est méga imprécis quand même. Donc il peut être là, il peut être là, ça arrive. Ces bugs là, ça arrive tout le temps. Ça y est, hein. Il s'est fait attirer aussi. Hein. Il est tombé dans le piège, Saturo. Il est tombé dans le piège, il a vu une prostituée, il est parti. Il s'est fait capturer. Voilà. On va aller là d'abord. Ah mais du coup, je viens de comprendre un truc. En fait, les trois coffres jaunes, c'est pas du tout ce que j'ai mis. Il n'y a pas deux couleurs et mon truc. Il y avait le point américain. Ça, je... Ouais, ça avait pas fait attention. On pouvait directement débloquer l'arme. C'est vrai que dans les coffres jaunes, il n'y a pas forcément des... que des plans. Il peut y avoir des plans, directement les armes ou des couleurs. Donc, il y avait une couleur, une arme, directement. Et le prochain, ça devrait être le plan. Le fameux, celui que je veux. Quand même, qui est un plan niveau 10, hein, légèrement. Donc, je l'attends. Ah, il a disparu, il a disparu. Il y a plein de gens sur Twitch, vous savez. Moi, je enfin, c'est assez intriguant, tu vois. Je me demande qu'est-ce qui se passe, allô. Parce que moi, je vais jamais sur Twitch. Déjà, je discute pas dans un chat, mais je sais très bien que vraiment, je ferais ni l'action d'aller sur Twitch, et encore moins, du coup, forcément, de commencer une sorte d'interaction pour partir 2 secondes après, quoi. Tu vois, ça n'a aucun sens. C'est exceptionnel. Ah, si j'ai 1 minute devant moi, je vais pas me faire chier à ouvrir Twitch. Hein, à un moment donné, j'ai préféré justement si je dois partir, justement, comparé à certaines personnes qui font trop de choses, ils sont oh, je suis fatigué, j'en peux plus, tu vois. Bah, au lieu de tant que ça va bien, parce que t'as pas encore fait ce qui est chiant dans la journée, de te dire bah, je vais faire d'autres trucs, tiens, je vais faire ça et tout. Bah, moi, je me repose d'avance. Je me pré-repose par rapport à l'énergie que je vais dépenser après. C'est-à-dire que si j'ai pas 1 heure, je vais pas me faire chier, quoi. Tu vois, je vais vraiment m'allonger tranquille, hop. Histoire en plus de se préparer mentalement au cœur et de ça. Même, bah moi je suis quelqu'un qui stresse jamais, donc peut-être que c'est l'une des tactiques hein, qui me permet aussi de pas stresser, mais que je fais pas exprès de l'avoir en plus. C'est comme ça, je trouve ça très confortable hein, de se pré-reposer pour la fatigue au lieu de le faire après. C'est de la pré-contre-fatigue. C'est le talent. C'est pas parce que t'as encore bien et t'as encore rien foutu et que t'as encore plein d'énergie qu'il faut en profiter pour dépenser des petits points d'énergie en faisant des petites actions un peu inutiles quand même. Un repos total de l'esprit, du corps. Se préparer mentalement hein, et physiquement, mais surtout mentalement à devoir faire ce que t'as à faire après. Très important. Et puis voilà. Il peut avoir été dérangé, alors je comprends bien l'idée. Je comprends mal l'idée. Il y a des gens qui ont des vies difficiles. Hein. Il y a des gens qui vivent en Afrique, vous imaginez. Il y a des gens qui vivent en Chine, dites-le vous. Non, effectivement. Effectivement. Après, il faut avoir une vie vachement... Je sais pas. Mi-nul. Mi-très instable, donc un peu nul aussi. Pour être dérangé comme ça. Après, effectivement, imaginons... Il décide d'aller sur Twitch. Et c'est vrai que d'un coup, t'apprends que ta maman vient de mourir. Et effectivement, c'est l'un des exemples quand même vachement improbable. Hein, vachement improbable, mais effectivement, c'est le genre de cas très spéciaux où, bon, bah voilà. Hein. Terrible. Hein. Je suis d'accord avec cette méthode. Ah, parfait. On est bien d'accord. Moi, je trouve ça très important. Au lieu d'après de se plaindre après, oh là là, je suis fatigué. Eh ben, hein, voilà. C'est pas parce que t'as encore rien foutu que t'as de l'énergie qu'il faut en profiter pour faire plein de petites actions à la con avant. Vraiment, tu fais le minimum. Tu prends un gros temps pour faire ce que t'as à faire. Tu le fais quand vraiment t'as envie de te lancer dedans. Là, tu vas pas être en mode, oh là, faut que je m'habille, tu t'habilles super vite. Voilà.
avant de faire une action, comme par exemple du sport, ou sortir, ou devoir travailler, au lieu de te faire d'un moment que je sais pas quoi, tu prends un gros temps où tu vas faire les choses petit à petit au moment où t'en as vraiment envie, évidemment le plus vite possible pour après vraiment avoir le moment où t'es allongé tranquille, tu vois, t'es, voilà, tu fais un petit truc qui te fait sur le téléphone ou je sais pas quoi, tranquille. Quand même, tu fermes les yeux. C'est limite de la méditation, bordel. Et puis après, t'y vas. Et t'es prêt. T'es prêt après, comme ça. Bah, je trouve ça génial. Arrêtez-vous, j'ai certainement quelque chose qui... Meilleure tactique in the world of the madness. Hein. Je sais pas ce que je raconte. En tout cas, je recommande. Je recommande, faites bon ça. Eh, je vous donne des tactiques, hein, je devrais pas faire ça. Les gens sont bêtes, ils méritent rien. Je leur donne des tactiques ancestrales pour être immortels. Mais bon, comme d'habitude, les gens seront très aigris, ils diront et puis ils le feront pas, donc dans tous les cas, c'est pas très grave. C'est presque comme si je n'avais dévoilé aucune tactique. Surtout venant de moi, les gens vont dire il croit vraiment que c'est Tierce qui dit. Donc du coup, c'est parfait. C'est exceptionnel. Descends de là, j'ai pas fini. Ça me brûle le bas de l'avant-bras, il est même rouge. Là. Ah ouais, vous le voyez un peu. Ça se voit pas tant que ça, mais ça se voit un peu. Dans la vraie vie, c'est vraiment... Je sais pas pourquoi. Ah ouais, ça m'a... resté trop longtemps avec beaucoup de poids en fait sur mon coude là. Ah, ça me picote. Ah, c'est à chier. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Horrible. En fait, ma peau, elle est en 3D. Car vous voyez, c'est la peau en 3D, rouge. Vous voyez qu'elle a été enfoncée par le poids de l'appui. Avec, en l'occurrence, la plupart du temps, c'est potentiellement avec des vêtements. Mais là, c'est avec un mini coussin. Donc justement que ce soit encore plus agréable, encore plus doux, et justement que ça évite encore plus ce genre de truc. Mais vu que c'est une matière évidemment, qui a des déformations de tissu comme un vêtement, ça fait des petits trucs comme ça. À revoir, mais une possibilité de clip je pense. Effectivement, j'y ai pas pensé, comme à chaque fois qu'il y en a, hein, des possibilités de clip. Alors c'est possible, mais d'une certaine manière j'en doute. Putain, pourquoi il a disparu le marqueur? Mais il veut pas se mettre, regardez, ça a dit non. C'est bon. Super, il y avait un gros bug. Mais alors je pense que ouais, donc c'est une possibilité, mais en vrai je suis pas convaincu. Je pense, tu vois, d'avance que non. Parce que sans contexte et tout, et dire ce, je sais pas, dire ce genre de truc dans un clip. À voir, faut que je regarde. Putain, le mec il est assis sur le coffre. Oh, je lui ouvre dans le fion. Tu l'as bien senti celle-ci, hein. Il me reste combien de 3, 4... Yes! J'avais tous les bugs Helix. Oh! Yes! C'est la fin. La fin du 100% déjà, et aussi la fin de ce magnifique live. Impressionnant. Alors tu feras attention, hein, Kraka. Je sais que ça fait très longtemps que je ne t'ai pas repris, alors que tu aimes bien ça, hein. T'aimes bien sur l'écriture. Mais tu feras attention à comment t'écris sur... Bon, je sais que les accents, ça t'embête. Donc voilà, mais fais attention. Fais attention parce que ça fait un peu trop 2023 à mon goût, si tu vois ce que je veux dire. Attention. Je n'en dirai pas plus, je veux pas de problème. Hop. Je veux pas de problème, je veux pas être banni de Twitch, mais... Donc voilà. Ça me fait plaisir de te le dire. C'est vrai que ça fait longtemps. En fait, j'ose pas trop, tu vois. Moi, je suis content. Moi, je trouve ça normal, tu vois, de le dire. Je trouve pas... Il y a aucun effet négatif. Il y a ni de la moquerie, ni de... Je sais pas, il y a... Je sais plus ce qu'on pourrait y mettre comme nom là-dessus. Il y a rien de tout ça. C'est juste vraiment, ça me fait plaisir de... apprendre, je sais pas quoi. Mais je sais pas, des fois... Enfin, je sais pas... Je pense qu'il y a tellement une mauvaise réaction que j'ai pris l'habitude de pas trop le faire. Je pense que la dernière fois que j'ai dû le faire, c'était sur Power Wash.
Bon, ça date hein, quand même. Oups, bah ouais, pas attention. Hein. Pas attention parce que moi, tout ce qui est à base de 2023 là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout là. Non, je tremble, je tremble. Mais bon, eh, y a bien des fumistes de merde qui nous font chier. Oui, attends, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, j'en sais rien, mais bon, pour le lol, pour le, s'il faut, c'est peut-être un truc qu'ils disent vraiment, mais pour comprendre, vous voyez ce que je veux dire, et le genre de référence que je vais avoir. En mode, vous voyez, les personnes qui sont en mode, oui, je suis une professeuse. Oui, bon. Bah, vu qu'elles nous font chier avec ça, n'hésite pas à bien, tu vois, à bien affirmer le sûr, quoi. Ne soyons pas en 2023. Comme ça, ça me fait bien chier, là. Allez, on y va. Ok. C'est en intérieur. Ça a failli faire peur, mais je crois que c'est bon. Oh là, il y en a plein. C'était peut-être un bâtiment de mission, j'ai l'impression. C'est bizarre. Ah, si, je sais lequel c'est. Je crois que c'est là où il y avait eu la fête au début, dans l'une des premières missions. Et qu'il y a une prostituée qui s'était fait capturer, non? Au tout début, quand on découvre la première méchante qu'on va défoncer. Je crois que c'est ça. On n'avait pas pu se balader, en fait, dans cet endroit. Bon, c'est aussi, évidemment, la maison d'Edward Kenway. Dans le lore de ce jeu-là. Je crois que c'est peut-être là qu'il y avait la fête. Ouais, je pense. Hop. Oh là là, le 100%. Oh! Mine de rien, ça va vite. Bim! Surtout qu'il y a tout au même endroit. Il n'y a pas de risque de mauvaise réaction sur ça, t'inquiète. De quoi? De leur part, aux gens qui sont en mode professeuse? Ah non, pardon. Non, ok, je viens de comprendre. Sur le fait que... Que je fasse remarquer les erreurs. Bah, en fait, souvent, j'évite de faire remarquer les erreurs. Pourquoi? C'est même pas un côté de j'ose pas. C'est un côté de, bon, bah la personne, elle a peut-être pas fait exprès. Il y a des trucs, en plus, moi, ça me paraît assez évident. Mais juste, bon, la personne, elle écrit juste tranquille, elle a pas envie de, voilà, elle veut se sentir à la maison. Mais en même temps, elle sait pas peut-être aussi bien écrire français que... Bah, par exemple, un bon exemple, hein, le seul que tu as en tête, et voilà, plus simple. Moi, par exemple, du coup, même en, voyez, sans s'embêter, bon, elle écrit peut-être encore moins bien que moi, je sais rien. Souvent, je me dis que la personne, elle doit savoir, mais c'est juste qu'elle s'embête pas, ou qu'il y a eu un bug de clavier, donc j'évite de le dire. Après, c'est un peu un mélange de ça et de ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, c'est vrai qu'il n'y a aucun jugement quoi de mon côté. Je m'en bats les steaks. De toute façon, je vois pas pourquoi ça me dérangeait, vous savez. Moi, j'écris bien. Hein. J'écris bien. Je suis pas jaloux des mauvaises écritures. Hein. Donc, je m'en bats un peu les steaks. Après, c'est sûr que ça pique les yeux, mais ça m'embête. Franchement. Mais c'est tout. Donc, de moi, si tu me fais des remarques. Oui, voilà. Oui. Tout à fait. Bon, bah, du coup, je viens d'expliquer, hein, tu vois. Et... Tout ce qui fait que j'évite. Mais oui, c'est vrai. Après, le problème, pourquoi aussi, un autre point. Pourquoi j'évite? Parce que très souvent, peu importe pour quelle raison la personne a mal écrit, que ce soit dû, elle a pas envie de s'embêter, dû, c'est compliqué, soit peut-être ça arrive, hein. Son clavier est cassé, il y a la moitié des trucs qui marchent plus, donc bon, bah voilà, faut trouver une autre façon. Ou du, je sais pas quoi, ou juste quelqu'un qui sait pas écrire. Non, attends, qu'est-ce que je veux dire? Oh non, je sais plus, voilà, à force de mettre tout le contexte, là. Oh non, horrible! Ah oui, oui, voilà, si je me souviens. Mais c'est que dans tous les cas, que ce soit fait exprès ou pas, bah c'est qu'il y aurait beaucoup trop souvent, tout le temps, des trucs à dire, en fait. Ça ferait trop. Ça ferait trop. Donc j'évite quand même, tu vois. Dans tous les cas, j'ai moyennement envie. Sinon, ça va être toutes les deux secondes. Par exemple, tu vois, j'aurais pu encore te reprendre vraiment, vraiment sur plein de trucs, là. Mais je vais pas le faire, parce que... Ça ferait beaucoup, l'eau. Là, ça me permettait surtout de faire la blague par rapport au fait qu'on n'est pas des arbustes ici. Hein. On se transforme pas non plus. On n'est pas des tortues ninja. On n'est pas des monstres. On n'est pas. Attends, qu'est-ce qui se transforme? On n'est pas des Power Rangers, tu vois. Puis ils sont de toutes les couleurs, ça tombe bien. On n'est pas des. Bah tiens, ouais, meilleur exemple. On n'est pas des Power Rangers. Ils sont multicolores et en plus, ils sont un peu fragiles. Hein. Ce qui fait que vraiment, c'est un exemple justement. C'est potentiellement l'exemple parfait. La perfection de l'exemple. Bon. J'ai 103 090 d'argent. Journal de progression.
100%, on voit, c'est marqué. 100%, 100%, 100%. Donc 400% qui en donnent un gros. L'inventaire. Hein. D'après eux, je suis pas au sol. Oui, effectivement, bah, pour une fois, c'est vrai. Pour une fois, c'est vrai. Bien joué à eux. Donc l'inventaire. Le 100%, ça va être d'acheter ça. On va évidemment pas améliorer hein, les équipements qu'on n'utilise pas, ça sert à rien. Par contre, on peut vérifier s'il n'y en a pas un autre qui, par grande magie noire, serait pas meilleur, alors que c'est pas le niveau 10. Donc là, non. Voilà, on améliore à fond. Va falloir m'expliquer le design hein, dans ce DLC. Autant là, bon, on peut comprendre, c'est un peu américain de pauvre avec des clous. Bon, ok, c'est sympa. Là, même si je suis pas sûr que ce soit bien, vraiment. Imaginons un poids américain de pauvre comme ça. Ça coûte peut-être pas cher, mais ça va être tellement fragile. En vrai, tu mets un coup de poing, un bon truc et tout, le bois il se brise et en fait ça sert à rien. Non. Celui-là il est sympa, en vrai, dans l'idée du, voilà, du poing américain, je sais pas quoi. C'est un crâne, bon, c'est intéressant. Ça, Kali, je crois que c'est une sorte de, je sais pas, de dieu ou de divinité. Non, une divinité bizarre, non, de truc. Ancienne civilisation, un truc comme ça, je pense. Voilà, des Indes, je crois que c'est, voilà, c'est ça, c'est une divination indienne. Je pense. Bon, après, ouais. C'est un peu bizarre, mais à la limite, voilà. Pomme d'or, là, ça commence à être un peu bizarre. Là, ça n'a pas trop de sens, mais bon, c'est sympa avec le petit truc. Et là, il va falloir m'expliquer. Hein. C'est censé être quoi, ça? C'est censé représenter des dents, et en gros, c'est censé représenter le fait que ça, on va péter des dents avec, ou je comprends pas. Moi, c'est ce que je comprends. Hein. Et dans le chat, un emoji uniquement, XD. Non mais attends, parce que s'il y a des streamers qui ont des emojis, qui ont des potes dedans, on va pas s'en sortir non plus, hein. Bon. Ça, il faut le fabriquer, l'eau. Voilà. Malheureusement, c'est pas le meilleur. Aperçu d'amélioration, on passe au max. Donc, gantelet d'assassin. Voyons voir. Ici, c'est le premier. Ici, d'accord. D'accord. Rien de méga intéressant. Arme à feu. D'ailleurs, si on peut parler des gantelets, celui de base, il est sympa. Ça va très très bien avec l'ambiance de base du jeu. Ça pourrait mettre l'officiel dans le jeu de base. C'est super, c'est génial. Celui-là, je trouve un peu sympa. Ça fait assez français, on va dire. Il manque plus quoi que ce soit plutôt du motif de lisse plutôt qu'un peu d'autres trucs partout. Mais ça fait assez français, ouais, j'aime bien. Ça, c'est sympa. Ça fait grosse prostituée, non pas du tout. Non, ça fait bien femme bourgeoise. Ça, pareil, c'est sympa, j'aime bien. Ça, c'est les prostituées d'ailleurs, je crois. Ouais, c'est ça. Celui-là, c'est le plus stylé, personnellement, je trouve. C'est le truc de l'éventreur. Après, bon, avec les doigts en griffe, bon, c'est peut-être un peu abusé. On dirait presque, quand elle a la main vers la face, comme ça, qu'on la voit du coup de là, que c'est un gantelet d'Edra de Skyrim. Incroyable. Allez, ça, on dirait le gantelet de Skyrim. Ok, ça, celui-là, il est un peu, je sais pas. En fait, avec plein de couleurs de tenue, ça irait super bien. Après, il est pas forcément méga stylé. Je sais pas. Comparé aux autres, il y a un truc en moins. Et celui-là, il est pas beau du tout. Ça fait vraiment année, je sais pas quoi, peut-être année 70, j'en sais rien. Avec les vêtements en velours. Ça, on dirait vraiment le velours avec les traits comme ça. Mais vrai qu'ils sont vraiment en 3D, vous voyez, sur le vêtement. Horrible. Horrible, et merci les Acariens. Hein. Ah. Hop, on achète tout. Sympa la petite animation sur le côté, en plus qui sort du dessous de ma caméra et tout. J'aime bien. Alors, les armes à feu. Bon, basique, rien à dire. Voilà, 1868, ok, rien à dire. C'est pas très beau, c'est très bizarre. Arme templière, c'est nul. Et voilà, l'étincelle, très rigolo. Ça, j'avais déjà réagi dessus. Très, très rigolo. Tac. Attends, nous, on est quoi? On est sur du max. En vrai, vraiment, le niveau 10, c'est pas du tout le meilleur. Pas du tout. Hein. Mais bon, il est tellement rigolo aussi que ça vaut quand même presque le coup. Là, il va falloir acheter toutes les couleurs, on va pas s'en sortir. Piou! Fuchsia! Je savais pas que ça s'écrivait comme ça, Fuchsia. Non, on apprend des choses ici. C'est malade, là, on va lire. Aucune couleur, ouais, super. Mauve, Fuchsia, ah ouais. Chat vert moyen, alors je sais pas où est-ce qu'il voit du vert moyen et le turquoise non plus, mais ok. Noir, ah ouais, noir, ça s'écrit comme ça. Je rigole.
Gris acier, celui-là, je l'aime beaucoup. Alors, il n'y a aucun gris. Hein. Ça n'a rien à voir avec les couleurs de l'image. Regardez l'image de ce sur quoi on clique. Regardez la tenue à droite. On devient un ange d'un coup, quoi. Attends. Gris, rose et gris foncé. Non, mais il y a un problème. Toutes les couleurs sont pétées. Toutes les couleurs sont pétées. Déjà, il n'y en a qu'une seule. Il n'y a que la première qu'on nous présente. Cochenille, voilà, couleur rouge, cochenille, d'accord. Le saumon, il n'y en a pas. Gris, il n'y en a pas. Les tenues, elles sont complètement pétées. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Celle-là, elle est super belle. J'aime bien, mais ça fait trop templier. Après, c'est vraiment bien. Moi, j'aurais pas mis noir, j'aurais mis ça, je pense. Ça ou le blanc. En vrai, j'aurais mis le blanc, ça fait très assassin, mais c'est un peu trop, peut-être. C'est un peu trop fouillot, quoi. Là, celle-là, j'aime bien. Celle-là. Mais ouais. Le vert, d'accord. C'est presque plutôt gris que vert, quasiment. Mais... Je vois bien le vert, hein, vous inquiétez pas. Mais... Et moi, je dirais plus que c'est un gris teinté que du vert. Hein. Gris vinteux, quoi. Verteux, pardon. Gris verteux. Ah, c'est une petite invention personnelle, j'espère que vous avez apprécié. Vert forêt, là, je suis d'accord, ok. Après, sur les autres couleurs. Mauve, terracotta, ça n'existe pas. Il n'y a pas du tout ça. Couleur top, va falloir qu'on m'explique, parce qu'une top, ça n'a pas cette couleur-là, mais c'est pas grave. Beige, ok, non plus, il y a peut-être un petit problème encore là. Beige et bleu, d'accord, beige et bleu, bien sûr, ouais, c'est totalement l'image, hein. Regardez à droite, alors la tenue. Non mais vraiment, non, Rugby Shot, non. Qui s'est occupé de ces tenues, sans déconner? C'est un mec, au dernier moment, il s'est dit, oh putain, c'est génial. Oh, le fichier de texture, regardez, il y a la tenue, qu'est-ce que je vais faire? J'ai juste passé ça dans Paint. Je vais mettre le filtre de changement de teinte de couleur, je vais faire un peu toutes les teintes, j'ai rien à faire. Et du coup, je nomme juste le fichier couleur 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis ça fait tout un menu de couleurs, et c'est génial que la feature, waouh, on se croit vraiment dans un jeu méga complet, c'est dingue. Non, 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 mon petit gars, y a rien! Rien! Le jaune, il est là. Ah! En fait, la dernière couleur, ok, je crois que j'ai compris ce que c'est. La dernière couleur qu'ils disent, donc la terracotta, c'est censé être le pagne, là, le truc en dessous de la ceinture, en fait. Violet. Ouais, non, il est blanc, hein. Non, c'est gris foncé, d'accord. Non, c'est bugué. C'est censé être ça, je pense, mais là, il y a un problème. Et le truc du milieu, je pense que c'est le pantalon. Ouais, donc là, par exemple, ce qui est marqué bleu-gris, c'est censé être le pantalon. Mais il y a... Non, ça va pas. Un daltonien. Je pense que c'est un daltonien qui a fait ça. Alors déjà, je trouve que c'est une feature, ce qui, ça se voit, a été un peu ajouté au dernier moment, en mode, oh, super. Bon, mon préféré, c'est en celui-là. Enfin, mon préféré. Non, mais je sais pas. Je sais pas. Puis malheureusement, Ivy, ça lui va trop bien, le noir. Et en plus, de toute façon, elle a toujours des... Je sais pas. En plus, regardez, au cou, elle a le truc des prostituées, là. Vous savez? Moi, j'ai toujours vu un peu, quand j'avais école, des petites filles, vous voyez? Aucune pédophilie, mais c'est juste parce que... C'est pour accentuer le côté que ce ne sont pas des femmes, c'est des grosses merdes. Okay. Oh, ça crache. Oh, dommage. Bon, je vais finir ce que je dis. Mais en gros, il y en a qui ont ça, des fois. C'est souvent des plutôt typés gothiques. Mais très bizarrement, celles qui ont ça, c'est tout le temps des grosses chiennes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais dans le sens où si ça peut se faire démonter le fion, je pense que c'est toutes des nymphomanes, en fait. Je m'avance un peu, mais on va pas se mentir que quand même, c'est un peu ça. Voilà, je vous le dis, expérience, à tout de suite la VOD, hein. Je vais pas vous laisser dans le noir, on reprend Maxi Flashy, à tout de suite. Eh bien, la VOD, évidemment, ça crache, ça vous le savez, sachez qu'en lançant le jeu, ça recrache, je suis à 4 crashs aujourd'hui en à peine une heure, à peu près, hein, légèrement plus, mais voilà, ouais, bon, amélioration d'équipement. Donc il nous restait ça à faire, donc c'est ce que j'ai dit, hein. Je crois qu'il restait que 2 trucs à acheter. Et je crois que c'était ça. C'est tout. Voilà, là j'ai potentiellement tout. 100%, 100%, compétence 100%, fabrication. Outil fabriqué, comment ça? Sur... Ah non, c'était un bug. Base de données. Tout ça on s'en fout, hein. Oh, une prostituée! Ok. Ça, c'était la méchante qu'on avait dit. Bande de Jack. Les infortunés de monde. Ça, c'est les prostituées. Autre personne. Super. Les lieux. City. Tout ça. Voilà. Whitechapels. Manor O'Wills. Mountain Patron. Lambert.
les objets à collecter. Il y a des... Oh, des illustrations, mais non. Ah, c'est plus stylé que ce qu'on imagine, les illustrations. En plus, ça a donné beaucoup d'XP. Des enfants qui se font brûler, très bien. Là, il y a des complètement malades qui tuent des animaux. Là, il y a de la pédophilie. Il y a des gens qui embrassent des enfants, des bébés. Donc, plus qu'ils soient à poil, tiens. Il y a des trucs très bizarres. Ici, pas grand-chose à dire. Je suis sûr que je trouverais des trucs rigolos à dire. Là non plus, rien. Là, à part qu'il y a des gens qui sont en train de mourir, en train de s'effondrer sur les rails, je sais pas trop quoi dire. Là, il y a un peu bizarre encore cette histoire. D'accord. Là, c'est des Africains. Là, ok, c'est nous. Présent. Info des assassins. Ah, les bugs Helix. Des trucs à lire. Ah, je suis désolé, mettez pause. Non, je suis désolé, j'ai lu dans d'autres Assassin's Creed, dans tous en fait. Dans Black Flag, dans Rogue, dans tout ça, dans le présent. Mais là, non, vraiment, j'en supplie. Mettez pause à chaque fois, lisez, voilà. Il y a un moment donné, il faut être sérieux dans la vie. D'ailleurs, attendez, il y a un désordre. Le 1, c'est celui-là. C'est un peu foutu de notre gueule. Ils savent même pas mettre les documents dans l'ordre. Enfin, vraiment, ils feront jamais leur travail jusqu'au bout. À chaque menu qu'on ouvre, on voit des conneries. Chaque type de gameplay, nouvelle feature, c'est complètement... Il y a toujours des problèmes quelque part. C'est en Ubisoft, quoi. On adore. On adore. Voilà. Voilà. Donc là, vous êtes régalés. Divers événements. Hop, c'est nul. Salut, qu'est-ce qu'il te reste à faire pour finir 100% du jeu? Alors, bah... c'est très simple. Là, pour l'instant, je suis dans le DLC Jacques l'Éventreur. Donc là, je l'ai vraiment 100% ce DLC. Mais dans le jeu de base, il me reste tous les autres DLC à faire. Soit 3. Hein. Tout ce qui est annexe, en fait. Dans l'histoire principale, enfin, dans la map de base du jeu, j'ai uniquement fait l'histoire principale et conquéri les quartiers. Donc il reste toutes les missions. Je sais pas comment ils appellent ça, mais toutes les missions secondaires avec le nom des gens, Première Guerre mondiale, les collectibles. Et puis voilà. Tout simplement. Bon bah super! Ça c'est 100% ça, bon là ça... C'est vraiment parce que je suis autiste, donc je peux pas m'empêcher d'enlever les points d'exclamation pour le 100%. Mais... Bon, on va rien dire. Attendez, on est en train de me dire dans les archétypes... Ah non, j'ai cru qu'il y avait des soigneurs, guetteurs, non d'accord. Ok, parce que s'il y avait des gens qui soignaient, il aurait fallu me le dire. T'as récupéré les Félix, c'est le plus chiant. Bah alors, j'ai exactement dit ce que j'ai fait ou pas, donc... Dans le DLC de Jacques l'Éventreur, oui. Mais du coup, bah, je crois que j'ai pas besoin de dire que dans le jeu de base, non. Hein, puisque je ne l'ai pas dit. Donc, non. Mais, bah, effectivement, c'est le plus chiant si dans le jeu de base non plus, il n'y a pas de carte pour les trouver. Effectivement. Du coup, il me restera ça à faire, ça va être horrible. Ça va être horrible. Il va falloir que je me prépare hein, mentalement et tout. Bah voilà, hein, 100%, lui, il a rien de nouveau à me proposer, imaginons. Non, après, je peux me ravitailler. Ça coûte 1000, c'est un peu une arnaque, mais... Ça coûte combien? Parce que vraiment, j'ai juste en vrai, à tuer 3-4 mecs, sinon... Déconner. Ouais, 150, waouh. J'ai juste à rien qu'à tuer lui, si peu il va m'en donner un, vraiment c'est une arnaque. Bah il m'en a pas donné bien sûr, comme par hasard. Oui, 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 oui. Dégage. Donc quelque chose de très bien dans ce jeu, fuyer prend beaucoup moins de temps. Le problème c'est qu'on fuit jamais dans ce jeu justement, donc c'est un peu dommage vu la feature à ce moment, mais voilà. Tuc tuc tuc. Comme par hasard, quand ça peut aller. Ouais, quand ça peut aller très vite, on me le donne pas. Hein. Ils ne l'ont pas. 6. Hein. Donc les policiers peuvent donner aussi. Dans ce qu'on va faire, ça va être très simple. On peut fabriquer ces trucs-là. On va fabriquer ici, regardez, ça coûte pas grand chose. Et des ressources, j'en ai 36 000 à peu près. Hein. 36 000, ouais. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà. On montrera que les bombes, ça m'a donné 4 directs.
Bah super. Donc ça sert à rien, on fait pas toujours exactement la même façon, mais pour tenir au courant, je suis à 50 770 livres restants. Et les ressources, vous voyez la première, la deuxième 324, la troisième 1151 et la quatrième 792. Voilà. Donc la VOD, j'ai une seule chose à vous dire. Bon, la caméra arrêtera de bouger tout seul. Gros bisous, I love you. J'espère que vous avez apprécié ce petit 100% sur le DLC. S'il n'était pas si cool que ça non plus. I love you. Adieu. Et... soyez là pour la suite, soit les prochains DLC et tout le contenu secondaire du jeu de base. Qui devrait être bien meilleur hein, que la qualité de ce contenu. Donc si vous avez suivi ça jusqu'au bout, c'est-à-dire personne, parce que personne n'a jamais fait ça, hormis moi, forcément, eh bien n'hésitez pas à regarder la suite, puisque ça vous plaira forcément mieux. Hein. Voilà. Il y a vous l'a dit. Moi maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Attendez, laissez-moi regarder. Je regarde mon agenda. Là, vous dites quoi? Il regarde son agenda comme s'il regardait sa montre, ça n'a aucun sens. Écoutez, les montres connectées, maintenant, c'est la base. Ok, c'est mon agenda, il est sur ma montre, laissez-moi tranquille. Voilà, c'est ça. 11 VOD à monter. Quoi? J'ai mis lancé très vite. Oh, bisous. I love you. Oui, et tu sais très vite ce que tu as obtenu? Je ne sais plus à quoi tu fais référence, mais on va se laisser là-dessus. Comme ça, j'imagine que... les gens comprendront mieux que moi, et du coup, c'est certainement un bon ajout à la fin. Aka vous dit de vous abonner. C'est véridique. C'est véridique. Si vous voulez savoir si j'ai menti ou pas, il y a un moyen très simple. Déjà, vous pouvez me faire confiance, sinon vous êtes pas très sympa, et du coup, je vous aime peut-être pas. Du coup, ça, c'est même sûr. Mais c'est d'aller voir cette même VOD, la même, avec le même titre, hein, normalement, voilà. Sauf qu'il n'y a pas le nom du jeu dans le titre. Sur mon Twitch. Dans les temps forts, hop, catégorie Assassin's Creed Syndicate, vous retrouvez la même. Et du coup, vous pouvez voir le chat. Et du coup, si vous voyez que c'est pas marqué, vous dites « Ah, le menteur! Oh, le menteur! Quelle parisiennerie! Mais je ne mens pas! Je ne mens jamais !» Après, ça peut m'arriver de dire des trucs pas vrais pour la blague, mais ça se voit ouvertement que je fais une blague. Hein. D'ailleurs, souvent, je le précise même après. Donc voilà. Gros bisous, et c'est pas moi qui vais vous abonner. Donc abonnez-vous. Non, ça marche mieux du coup, ça... Vous abonnez pas plus, si c'est pas moi qui le dis? Hein. Bon, au cas où que si c'est moi qui le dis, ça ait plus d'impact. Et que certainement que toutes les autres personnes, elles ont quitté la vidéo avant. Et bien si vous êtes encore là, du coup ça veut dire que vous hésitez, donc vous pouvez vous abonner, que vous n'êtes pas abonné. Et bien abonnez-vous. Comme ça on a fait... Allez, j'ai fait toutes les possibilités. J'ai touché toutes les personnes, sauf qu'il y a personne qui regardera jamais cette vidéo, donc ça va pas marcher. Mais sympa, hein. Abonnez-vous. Allez, gros bisous. Et les j'aime, hein. J'aime, commentaire. Oh. Bim, bam, boum, boum. Moi, je veux être riche, hein. Je veux être riche. Vous savez ce que je veux m'acheter avec l'argent? Vous savez ce que je veux m'acheter? Parce que moi, tellement d'argent, bam, regardez-moi ça. Belle chemise, qui a certainement dû coûter... pas très cher. Pas très cher. On va faire semblant qu'elle a coûté 100 euros, bien sûr. Vous voyez comment elle est stylée, regardez ça. Genre. Beau, beau, quoi. Ça pour pas, ça rendrait si bien, c'est... c'est dingue, quoi. Non, elle a pas dû coûter vraiment... une 6 fois, elle a coûté 10 euros. Non, je pense plus, quand même. Mais... vous savez ce que je vais faire avec l'argent? Vous savez ce que je vais faire? Vous savez ce que je vais faire? Je vais m'acheter à manger, parce que sinon, je meurs. Allez, merci à tous. Gros bisous. Je vais être méga pop, quoi. J'ai envie de mourir.